Salut les mecs, aujourd'hui une nouvelle vidéo, vidéo dans laquelle on va parler de Ronald Koeman qui devrait malheureusement être licencié du FC Barcelone. Alors les amis d'Ali Point, n'hésite surtout pas à liker la vidéo si elle te plaît et de t'abonner si ce n'est pas déjà fait. Tu peux aussi activer la petite cloche pour ne pas rater la suite des vidéos à venir. Et nous les mecs, on est parti pour parler de Ronald Koeman qui devrait malheureusement être viré du FC Barcelone. C'est parti. Donc les frérots, coup de tonnerre pour l'avenir de Ronald Koeman, engagé jusqu'au 30 juin 2022 avec le Barça. Koeman pourrait faire ses valises dès la fin de cette saison, et ce, après seulement une année passée en Catalogne. En effet, le coach néerlandais serait de plus en plus décrit à cause de ses récentes contre-performances, notamment contre Grenade. La direction catalane estimerait qu'il n'est plus l'homme de la situation et que son style de jeu ne correspond pas aux objectifs à long terme du FC Barcelone. Ainsi, Koeman serait déjà condamné à partir cet été, quoi qu'il arrive. Pour sa première à la tête du FC Barcelone, Ronald Koeman n'a pas vécu une année facile. En effet, le coach néerlandais a éprouvé de grosses difficultés à amener son équipe vers les sommets, et alors que le club Blaugrana est loin d'avoir rempli ses objectifs de la saison, Ronald Koeman pourrait être évincé dès cet été. Présent en conférence de presse ce lundi, l'ancien sélectionneur des Pays-Bas a lâché toutes ses vérités quant à son avenir, précisant qu'il se voyait continuer l'aventure à Barcelone la saison prochaine. Injuste que l'on décide de mon avenir en fonction de ce qui arrive en Liga. Depuis le premier jour, le président m'a montré sa confiance. Ce n'est pas quelque chose qui me préoccupe. J'ai signé 2 ans et je me vois comme entraîneur du Barça la saison prochaine. On se réunira avec le président pour parler quand la saison sera terminée. Le plus important est cette fin de saison en Liga et pas mon avenir. Est-ce que je suis touché par le fait qu'on parle de mon avenir à chaque mauvais résultat? Ce n'est pas quelque chose qui m'affecte, moi seulement, mais aussi tous les entraîneurs. Tu ne peux pas contrôler la presse, chacun a son avis et je n'ai pas le droit de changer cela. Le plus important est d'analyser notre saison après ces 2 semaines. Il y aura du temps pour parler de l'avenir, a expliqué dernièrement Ronald Koeman, le technicien du Barça. Malgré la confiance qu'il affiche, Ronald Koeman serait bel et bien en danger quant à son avenir. Selon les informations d'ESPN, ce lundi, le conseil d'administration du Barça douterait de plus en plus de son entraîneur et les contre-performances récentes contre Grenade, l'Atlético et hier soir, je le rappelle, face à je sais plus qui, attends, oui, enfin, je sais, face à... merde, j'ai oublié le nom, c'est pas grave, on continue le mec, la vidéo, défaite, puis match nul, n'aurait pas arrangé le cas de Ronald Koeman. Selon plusieurs sources proches du dossier, certains membres du conseil d'administration du FC Barcelone ne croiraient plus en lui et estimeraient qu'il est plus judicieux de changer d'entraîneur et de repartir à zéro dès cet été, quand bien même il serait impliqué dans les projets futurs du club et ferait toujours le pressing pour recruter Memphis Depay librement et gratuitement en fin de saison. Donc maintenant les frérots, faut se poser la question, est-ce que Ronald Koeman est assuré d'être sacrifié cet été? Mais en tout cas les frérots, selon les informations, selon d'autres sources sondées par ESPN, plusieurs dirigeants du Barça jugeraient Ronald Koeman incompatible pour les objectifs à long terme du club. En effet, il estimerait que son style de jeu ne colle pas, car Ronald Koeman aurait une politique trop défensive. Par ailleurs, les lacunes et les contre-performances répétées du néerlandais dans les grands matchs seraient également pointées du doigt. D'ailleurs, Juan Laporta aurait même été particulièrement irrité après la défaite, je le rappelle, contre Grenade. Dans cette optique, les hautes sphères du FC Barcelone envisageraient d'évincer Ronald Koeman en fin de saison. Et ce, même les mecs si le FC Barcelone venait à remporter le doublé, c'est-à-dire la coupe et le championnat grâce à lui. Voilà, ça fait mal pour Ronald Koeman. Le Barça, on voit que le Barça, les mecs, veut pas faire de cadeau. Surtout Juan Laporta va absolument bien gérer ce club. Et selon moi, il a raison, même si c'est un peu agressif. C'est un peu agressif car Ronald Koeman, ces derniers temps, c'est vrai qu'il fait pas de bons résultats, mais il est assez bon. Mais ben, voilà, le club catalan, les hautes sphères du FC Barcelone n'envisagent pas de tout simplement le garder, de le prolonger. Voici en tout cas pour cette petite vidéo. N'hésitez surtout pas à la liker, de vous abonner. Merci infiniment pour le soutien. Presque 5000, je vous kiffe. Salut les mecs, au revoir.